On profite un peu pour habiter dans une grande ville. Les gens te restent passés au temps. C'est la pire des choses. Et les mecs, ils te regardent. Oh putain, arrête, et tu vas passer sur YouTube. Et t'as l'impression de lire dans leur regard espèce de trou du cul. Toi. Et quand ils te regardent là-dedans, tu conduis. Mais tu conduirais pas avec tes fesses à la fenêtre, ils diraient pas ça. Tu veux qu'on te la pousse ta merde? Oh bah d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Comme j'ai dit l'autre soir quand on a vu le car. Est-ce que tu peux commenter ton art? La façon, l'installation, est-ce que tu peux expliquer? Il y a une certaine... Il faut trouver cette vague qui vient se percuter au centre du meuble, n'est-ce pas? Et qui, dans son éclaboussement, rejaillit sur le ballon de sommet. Je comprends. Merci, monsieur. La vie des animaux. Il va filmer un éléphant avec un bon. De la voiture. Avec les oreilles. La tête, la... Gisèle, tu fais gaffe, il y a un éléphant qui charge. Écarte-toi. Non, mais c'était quoi les oreilles? Enlève-toi. Où il va? Fais gaffe, il va démarrer. Non, c'est vrai que vous connaissez tout ça. Gisèle, je connais pas. Mais là, je suis content que tu poses la question, mon ami Gisèle. Présentement. Parce que chez les éléphants... C'est un langage que tu ne comprends pas. Non, mais c'est vrai, je comprends. Chez tous les animaux, comme chez l'être humain, la queue est toujours en dessous des oreilles. Oui. Je veux pas la voir, ici, moi. Ce sont les oreilles. Ouais. Ici, tu as la queue. Non, mais je ne veux pas la queue. Tu ne l'auras pas, tu n'es pas toréador. Donc tu n'auras pas la queue et les deux coucougnettes. Présentement. Voilà. Là, tu as une bouteille rose et là, tu as un ibis rose. Qu'est-ce que tu prends? Moi, je prends la bouteille. Contre-gilles, il me dit, oh putain, j'ai déjà pris l'autoculé du golfeur, mais t'as mis au deuxième. Même lui au courant. Et Dieu, je dis, Patrick, il est discret. Voilà, et bien, voilà, c'est fini. La fin de la soirée s'annonce ici. Tu vas pouvoir enfin manger ta langoustine avec tes enfants. J'espère que demain, tu n'auras pas trop mal et que tu feras pas trop de vent. Ah, tu vas manger la queue. Alors, la queue de la langoustine, ça ne te mange pas. Ça se suce, maintenant. D'accord? Ok? On est en gastronomie ici. Je vais niquer mon forfait, donc... On te fait des gros bisous partout. Je te repasse, Philippe, pour le mot de la fin. F-A-I-M. Philippe, il est là, Patrick. Là, c'est Patrick. Oh, il est là, téléphone. Non, c'est pas grave, c'est un jetable. C'est le mot de la fin. Quelle était la somme de la valise? 17 450 euros. Eh bien, 17 450 euros. Voilà ce que tu as perdu. Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
Ah, c'est... Okay. C'est pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un drame. Turel. Ok, il est pas bon. Ça, c'est pour les dents, c'est pour l'assurance. Quand tu descends... Ils sont uniques qui a arrêté, là. Louis, regarde papy. Tout le monde veut devenir un cap. Voilà, regardez ce que tu regardes. Tout le monde veut devenir un cap. Oh putain, c'est quoi vous regardez les filles? Me fais pas honte quand même. Un petit coup dans les toilettes, y'a personne. Je fais pas un travail sur ça. Harmonique, pourquoi il n'y a pas de fromage? Harmonique, c'est un repas dans notre âge. Harmonique, pourquoi il n'y a pas de fromage? Harmonique, vraiment c'est dommage. Ah non, on n'a pas du rosé encore. On va t'introduire. Voilà. Puisque mon cœur ne bat plus comme autrefois, même si l'amour parfois ne se dit pas, s'il faut parler, alors écoute-moi. Pantacourt ou pantalon, il est taché. Demain, c'est la machine à laver. Il y en a pas. Marie-Claude va encore gueuler. Mais ça fait rien, elle est habituée. 2,50€, c'est ce que ça va coûter. On ira à l'avril carrément. Ça lave au froid, ça lave au chaud. C'est la moitié qui passe par là. Et la moitié fou. Mes petites culottes, elle y mettra. Et la moitié. En plus, ça va être avec caleçon. Ils sont pas longs. Et Gisèle, si t'as quelque chose à laver, c'est les mardis qu'il faudra repasser. Parce que la machine est pleine. Aïe, 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 aïe. Alors, je peux dire que ça ne me dérange pas. Elle est grosse comme ma bedaine. Oui, t'as raison, même la mienne, je vais. Parce qu'à mon avis, il va faire le cagou. Arrête! Allez! Mais papa! Ah! Ah non! Et c'est où les verres? C'est où les verres? Bah, dis donc, t'as du bol, hein? Oh, Manique! Oh, Monique, nick, nick, nick! Pourquoi tu m'as pas mis du fromage de Big Big Big? Oh, mais vache, 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 t'as manqué à ta tâche, ta tâche. Et l'autre perdu, du, qui rit comme un bon trou du cul. Un chemin, elle rencontre des pattes, pas la bite avec des doigts. En chemin, elle rencontre un étudiant en droit. Un étudiant en droit.